potes, c'est Suntage, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'information. Mais cette fois-ci, comme vous l'aurez remarqué les potes, il s'agit d'une vidéo d'info en gameplay. Pourquoi? Car j'ai énormément de choses à vous dire et à vous montrer. Cela concerne Loot Lake, car oui, à Loot Lake il y a eu un événement. Et ça concerne aussi le volcan, car oui, comme vous le voyez, le volcan est rentré en éruption, ce qui a détruit énormément de choses, comme notamment Retail Row, comme notamment Tilted Tower et enfin Polar Peak. De toute façon, on va y revenir. Et du coup, juste avant, eh bien, on va parler maintenant, les potes, de l'événement qu'il y a eu hier, qui était intitulé l'événement Nexus. Alors, je le rappelle, l'événement Nexus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un événement qui nous a permis de voter pour certaines armes ou équipements que l'on souhaitait voir revenir dans le mode Battle Royale. Et en gros, je vous explique, les potos, l'événement était juste incroyable. Il nous a permis de voter tout simplement en cassant un des éléments que l'on voulait voir revenir sur Fortnite dans le mode Battle Royale. Et ce qui a gagné, les potes, eh bien, il s'agissait du fusil d'assaut à chargeur tambour, qui est une arme juste complètement cheatée, car oui, elle possède un chargeur de juste 50 balles, ce qui est énorme, il faut le savoir. À titre de comparaison, eh bien, la SCAR a 30 balles. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, les potes, mais c'est juste carrément cheaté. Et suite à l'événement, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé, les potes? Oui, il s'est passé énormément de choses. Le volcan est rentré en éruption et franchement, c'était juste un truc de malade mental. D'ailleurs, si vous avez kiffé, les potes, eh bien, je compte vraiment sur vous pour me mettre un petit pouce bleu comme ça en loose day, ça me ferait énormément plaisir. Et encore un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Suntel et SNTTED. Pourquoi? Car ça permet de soutenir le développement de mon jeu vidéo et ça c'est juste super les potes, c'est gratuit, ça coûte rien. En plus, comme vous le savez, très bientôt vous aurez la chance d'obtenir le nouveau pass de combat de la saison 9. Alors les potes, si vous souhaitez soutenir la team Suntel, me soutenir et soutenir mon jeu vidéo qui va bientôt sortir, eh bien je compte sur vous pour m'ajouter en tant que créateur. Encore un grand merci à vous. Et du coup, en attendant, parce que oui, on va aller voir ce qui s'est passé du côté du volcan et de l'éruption, je vous propose de se remater plutôt l'événement qu'il y a eu, qui était juste complètement dingue. Regardez-moi ça, on se retrouve juste après. Bon, franchement, on va pas se le cacher, mais l'événement était juste énormissime. Plus le volcan, tout ce qu'il y a eu, franchement, on va aller voir ça, car oui, il faut aller voir les potes. D'ailleurs, je sais aussi que certains d'entre vous n'ont pas pu y participer, et Epic Games s'en sont bien rendu compte. Il s'agissait en fait, les potes, d'une énorme boulette. C'est pourquoi Epic Games va vous offrir un planeur très prochainement, si jamais vous n'avez pas eu la chance de participer à l'événement. Alors voilà, est-ce que un planeur, ça va rattraper le fait de ne pas avoir vécu l'événement? Eh bien, je trouve ça quand même assez sympa. La Epic Games savent se faire pardonner. En plus, il s'agit d'un super planeur, les potos. Alors voilà, et évidemment, si vous avez déjà ce planeur, eh bien, Epic Games va tout simplement vous le rembourser, c'est-à-dire vous créditer le nombre de V-Bucks qu'a coûté ce planeur. Et là, je dois dire, Epic Games, en tout cas, ils sont vraiment très chauds. Alors déjà, les potes, regardez-moi ça. Il y a eu déjà, bon, 2-3 petit changement. On peut voir que déjà le volcan est bien plus actif qu'au début, mais bon, ça les potes, on le savait déjà. Alors franchement, vous vous imaginez ce truc de malade. Est-ce que certains d'entre vous ont eu la chance d'aller à l'intérieur du volcan lorsqu'il y avait l'éruption? À mon avis, ce n'était pas du tout beau
faut avoir, car oui, quand la lave a dû monter et quand ça a dû partir en sucette, eh bien ça a dû être juste un truc complètement what the fuck. Et là on peut se dire, ok, alors qu'est-ce qui a changé? Eh bien regardez les potes, on va commencer par aller du côté de Retail Row. Oui, Retail Row était une ville que j'affectionnais particulièrement les potes. Je ne sais tout simplement pourquoi, car franchement bah ça fait un bon moment que je connais Retail. Oui, même si il a connu quelques petits changements, comme par exemple le restaurant de Monsieur Tomate et celui de Monsieur Burger, qui d'ailleurs maintenant ne sont plus, ils n'existent plus, car oui, ils ont été détruits par ce fameux petit volcan. Et franchement, les changements sont nombreux sur cette carte. Déjà, les magasins ne sont plus là du tout, car oui, regardez-moi ça. Là, franchement, on se souvenait ici de ce petit centre commercial. On y venait faire nos courses tranquille ou bidou en loose day. Et là, maintenant, il ne reste strictement rien. Alors voilà, les potes. Actuellement, là, il reste Monsieur Tomate qui essaye de survivre comme il peut. Voilà, il fait au mieux le poteau, on va pas se le cacher, même si bon, ça marche pas trop. Et Monsieur Burger, alors lui, les potes, il faut le chercher. À mon avis, il a complètement disparu. Là, clairement, je ne le vois pas. Je vois toujours Monsieur Tomate. Ok, bon, bah là, pas de changement. Voilà, Monsieur Burger, il reste vraiment pas grand-chose. En tout cas, son camion, eh bien, je ne le vois plus. Je vois un petit lama là-bas, là. Voilà, la team lama a survécu, les potos. Donc ça... Ça fait plaisir. Alors, le bunker, y a-t-il eu des changements au niveau du bunker? Je pense que non, à mon avis, non, car oui, ceux qui étaient dans le bunker avaient dû s'y préparer. Donc, on va quand même aller faire un rapide coup d'œil. On va aller voir plutôt ce qui s'est passé. Ok, pas de changement, les potes, de ce côté-là. Là, clairement, on peut voir que ceux qui s'étaient abrités là-dessus avaient déjà tout prévu de A à Z. Donc là, clairement, il était là, tranquillou bidou, en train de voir ce qui allait se passer. Alors maintenant, on va aller voir du côté de Tilted Tower, les potes. Car oui, du côté de Tilted Tower, il s'est passé aussi énormément de choses. Préparez-vous, les potes. Vous allez être vraiment très choqués par tout ça. Alors regardez, nous allons à Tilted. Préparez-vous, les potes. Soyez pas choqués, car moi, hier, quand j'étais en train de regarder ce qui s'est passé, si je me suis dit, oh là là, ce truc de ouf. Franchement, c'était juste un truc de malade. Qui aurait imaginé que Cheated allait être détruit? Car oui, c'est vrai que ça fait un bon moment que l'on disait, oui, Cheated va être détruit, il va être détruit à chaque saison. Et puis au final, c'est vrai qu'il n'était pas détruit. Mais là, aujourd'hui, c'est enfin arrivé. Et c'est limite si on est triste, car oui, Cheated a bel et bien disparu. Et il reste une seule chose du côté de Cheated. On va aller voir ce que c'est, les potes. On s'y retrouve tout de suite. Bon, regardez-moi ça, les potes. Là, clairement, Cheated a bel et bien été ravagé par l'éruption. Et il reste qu'une seule chose actuellement, il s'agit du bâtiment qui est au milieu, qui a été épargné. Pourtant, c'était le pire bâtiment, il avait la poisse sur Fortnite, il était à chaque fois détruit puis reconstruit. Et cette fois-ci, eh bien, il est bel et bien là, carrément en loose day. Et là, il y a un petit lama qui flotte, voilà, on sait pas pourquoi, il est là. Bon, voilà, la team lama est là. Voilà, on est dans le game, pas de soucis les potes, ne vous posez pas trop de questions, c'est tout à fait normal. Et regardez-moi ça clairement là, mais il ne reste absolument plus rien. On voit un nouveau lama qui est là en train de voler, voilà, en loose day, clairement on peut le voir. Et franchement les potes, il ne reste plus que le camion, ce truc de maladie a eu tellement de changements, c'est juste un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte les potes, mais franchement la Tilted a été complètement ravagée. Il ne reste plus rien, plus aucun bâtiment les potes, vous vous rendez compte ce truc de ouf? Sauf celui-ci, là clairement il y avait le gigantesque bâtiment qui était là, il y avait le bâtiment rouge qui était ici aussi, la tour qui était là et la tour aussi qui était derrière. À mon avis, elle n'y est plus aussi. Enfin, franchement, là, énormément de changements ont eu lieu sur Fortnite. Et je me dis, est-ce que c'est que le début, les potos? Regarde, non mais là, franchement, les potes, je sais pas vous, mais moi, ça me choque de ouf. Je me dis, mais là, on ne connaît absolument, mais plus rien de Cheated. Tout a changé. Est-ce que le pont, on peut aller en dessous, les potes? Telle est la question. Ok, oui, le pont, on peut y aller en dessous, mais il ne reste pas grand-chose. Il y a aussi le petit magasin qui était juste derrière. À votre avis, a-t-il survécu? Personnellement, je pense que non. Il a été complètement... ravagé. Alors oh non, en fait ok, il a pas été ravagé, mais si quand même, ok, donc il reste que la structure. Non, clairement si, il est démonté, voilà, là il reste plus grand chose. Le souterrain qui était ici, eh bien on ne peut plus y accéder. Je me rappelle, on pouvait aller en dessous ici, et il y avait même d'ailleurs le bug, eh bien maintenant, et il n'en est rien les potes, il n'en est plus, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Et franchement c'est juste un truc de ouf. On va aller voir maintenant du côté de Polar Peak, car oui les changements ont aussi été nombreux. Regardez, on y va, vous allez voir, franchement c'est juste un truc de malade mental. Regardez, je suis vraiment impatient de vous montrer tout ça. Il y a eu une énorme fissure du côté de Polar Peak, et ça je vous le dis, ça cache quelque chose
chose de pas net. À mon avis, Epic Games ont pour plan de détruire complètement Polar Peak et de faire réapparaître quelque chose d'autre. Peut-être la ville qu'il y avait juste avant, je ne sais pas. En tout cas, regardez, là, clairement, on peut le dire. Polar Peak a été grandement fragilisé par cela. Et à mon avis, ce n'est plus qu'une question de temps avant que ce bloc ne se détache. Car oui, là, on peut voir carrément qu'il y a un énorme bloc. Et à mon avis, lorsqu'il va tomber, eh bien, ça va vraiment, vraiment, vraiment tout casser. Et là, on peut s'attendre à ce que l'ensemble de la structure de Polar Peak soit détruite. Et ça, je vous dis, ça sera juste un truc de malade mental. Alors, si vous avez kiffé tout ça, les potes, je compte vraiment sur vous pour me mettre un énorme pouce bleu. Aussi, si vous voulez que Greasy Groove revienne, eh bien aussi, pensez à vous abonner. Voilà, les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me bombarder de pouces bleus, à vous abonner si vous kiffez, les potes. Et encore un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Sunted et SunTTED. Et sur ce, je vous dis à très, très, très bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un prochain live. Ciao, les potes!